Bonjour Daphné, bienvenue à l'Eden Lodge. Vous êtes Yves ? Oui. Enchanté, ça va ? Exactement. Très bien. Ça s'est bien passé la traversée ? Ah, c'était magnifique. La traversée à bord du Boutre, là, c'est. Ouais. Puis arriver dans un paradis comme ça. J'ai décidé de faire escale à l'Eden Lodge, le premier et l'un des seuls hôtels au monde qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Initié en 2004, ce projet a obtenu le soutien de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Son autre particularité, ce sont les 23 baobabs situés sur la plage, ce qui est très rare à Madagascar. Ici, c'est un concentré de tout ce qu'on peut trouver de magnifique à Madagascar. C'est-à-dire qu'on a une plage sublime, on a ces baobabs, on a des lémuriens sauvages, là, à 50 mètres, des meutes de lémuriens sauvages qui viennent tous les soirs. Voilà, on a une végétation extraordinaire. Et il y a en fait, sur ce site, un concentré vraiment unique de toutes ces merveilles de la biodiversité endémique à Madagascar. Et en fait, il y a véritablement une orientation vers un tourisme écologique plutôt qu'un tourisme de masse, comme dans certains pays qu'on ne citera pas. Alors, est-ce qu'on peut visiter ? On peut voir comment vous avez construit ces lodges ? Les 8 chambres de l'Eden Lodge se présentent comme des sortes de tentes en dur. Cette structure permet une meilleure ventilation de l'espace habitable. Les matériaux naturels utilisés pour le mobilier, en passant par les gels douches et les serviettes, les moindres détails ont leur importance pour intégrer les chambres au paysage et protéger l'environnement. Ça, vous voyez, c'est amusant, c'est la récupération des petites bouteilles de vin qu'on trouve dans les avions. Ah oui. Et comme il n'y a pas de filière de récupération du verre à Madagascar, en fait, on a trouvé le pourri. Non, et puis à chaque fois, vous rappelez. Et à chaque fois, on remplit. Exactement. Ici, le plus grand chantier a été d'utiliser uniquement l'énergie solaire. Un chauffe-eau alimente 2 chambres. L'installation principale regroupe, quant à elle, 2 grands panneaux capables de fournir toute l'énergie nécessaire à l'intégralité de la consommation électrique du lodge. C'est ça ? Bah exactement. C'est que ça ? Voilà, 35 mètres carrés de panneaux solaires. Et puis surtout, des bonnes batteries. Ah ouais, pour éclairer 8 lodges. 8 lodges, et pour le froid, et pour les cuisines, et pour l'ensemble de l'hôtel. Je m'imaginais un truc vraiment plus gros. Et puis il y a une vue incroyable. En plus de sa volonté d'être indépendant énergétiquement, l'Eden Lodge produit lui-même son compost afin de fertiliser le jardin dans lequel on plante des végétaux de manière à subvenir aux besoins du restaurant. L'autosuffisance à terme est un objectif majeur. Alors là, je vais aller faire un petit tour de vélo dans l'eau, parce qu'ici, il n'est pas question de faire des sports aquatiques amateurs.